Bonjour Olivia. Ah. Ça y est, au bout de 3 semaines de Bonjour Olivia, toutes les 10 secondes, tu n'en peux plus. Bon alors, où est-ce qu'on est là? À Palm Springs. Qu'est-ce qu'on fout là? Mais c'est une étape. C'est une étape entre Los Angeles et Joshua Tree. Mais quand on regarde la carte, c'est pas vraiment sur la route. C'est bon. Nous sommes passionnés d'architecture avec Olivia, en fait. Donc du coup, nous sommes au seul truc qu'on peut faire, c'est d'aller visiter le musée de l'architecture. Apparemment, ça n'intéresse absolument personne, vu qu'il n'y a absolument aucune voiture garée sur ce parking. Bon, c'est censé être la ville des stars et tout, la ville d'Elvis Presley. Il y a sa maison, on peut aller la visiter, etc. Mais ça coûte un peu 35$ par personne, donc c'est un peu chiant. Ça a l'air moche. Puis en plus, ça a l'air moche, en vrai. Oui, on a triché, on a consulté Google Images avant d'y aller. Mais voilà, peu d'intérêt finalement à cette grande ville où... Mais si, mais il faut aller dans les resorts. Mais oui, mais on va pas aller dans les resorts. Non, on va pas l'argent pour ça. On a pas l'argent pour ça. Voilà, donc du coup, on va aller voir ce musée, on vous tiendra au courant si c'était bien ou si c'était nul. On fait un point dans 20 minutes ici, je pense. A tout de suite. Olivia, est-ce que rien que pour cette pierre méga méga douce, ça valait le coup de descendre ici? C'est génial cette pierre. C'est doux, vous n'imaginez pas à quel point. Vous n'imaginez pas. Oh, écoutez le son. Chose première, chose due, c'était énormément fermé. Voilà. Donc c'est un epic fail numéro 2 de la journée. C'était fermé, nul, rien à voir. Donc on va essayer de pousser un peu plus loin pour voir s'il n'y a pas un autre musée. Olivia? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette exposition? Le bâtiment est joli. Mais je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut y dire. Il n'y a pas grand chose de stylé dedans. C'est moche. C'est moche, mais après tout, l'art n'est pas censé être forcément beau. Non, mais... là, si, c'est faire des verres soufflés et tout ça, c'est horrible. Ouais, c'est beaucoup de mauvais goût. C'était beaucoup de mauvais goût. On dirait une vieille boutique de déco, tu sais, ouais. Mais cheap. Ouais. Je sais pas, il y avait une boutique qui s'appelait Arthès. Ouais, mais le truc sur les quais là à Bordeaux là, tu sais où il y a des chiens en bulldog rouge là. Exactement, enfin, voilà. C'est ce genre de truc. Voilà. Bah ouais, c'est un peu ce genre dans le musée, donc c'est vraiment pas ouf. Donc là, on retourne à notre destination de base, c'est-à-dire Joshua Tree, et ça va être très très stylé, je pense. Tenez-vous bien. Oui. Dans la voiture, je me suis rappelé de ce nom Ravaillac, il a popé dans mon esprit comme ça, et on s'est dit, mais qui c'est ce bon vieux Ravaillac? Et on est allé faire beaucoup de recherches sur Wikipédia, et c'est comme un feuilleton quoi. Là, on suit la vie de Ravaillac à fond les manettes, c'est très très intéressant. Pour le moment, c'est que c'est un régicide, il a une chance de fou d'arriver à buter le roi. Il est monté dans sa calèche, il a mis 3 coups de classe comme ça, et après, il s'est fait buter. Son exécution a duré une journée entière. Il y a eu donc bien sûr brûlage des tétons, brûlage de la main avec laquelle il tenait le poignard. Il s'est fait écarteler par 4 chevaux, mais en fait, il était un peu solide Ravaillac. Du coup, il a fallu changer un des chevals parce qu'il en pouvait plus. Il n'a pas réussi à le démembrer. Et quand enfin, en fin de journée, il a réussi à se faire démembrer, le petit Ravaillac, on a brûlé ses membres dans un truc, dans un chaudron, et puis on a dispersé ses cendres aux 4 vents. Mais là, on est sur le petit plot twist. Peut-être que Ravaillac s'est fait aider de l'intérieur. Peut-être qu'à la cour, il avait des gens qui l'ont aidé et que c'était un total complot pour faire un punch, une sorte de coup d'état. Donc là, je suis très très impatient de retourner dans la voiture pour qu'Olivia me suite, lise la suite de Wikipédia. C'est parti, merci, au revoir. Et bien en fait, Ravaillac, il s'est fait aider, mais on n'est pas sûr, on n'arrive pas encore à trancher. Les théoriciens se battent, hein, personne n'est d'accord, vraiment. Bon, voilà, hein. Aujourd'hui on ne sait pas si c'était un complot ou pas, voilà, c'est peut-être un acte isolé ou peut-être un complot, bon, voilà. Hein. Eh bien merci beaucoup Olivia pour ce récit sur Ravaillac, c'était très intéressant. A plus tard. C'est quoi ça? C'est Joshua Tree. Mais c'est chez nous? Ouais, c'est chez nous. On dirait pas, t'arrives pas à ouvrir la porte? Non. Qu'est-ce qui se passe avec la porte? Je sais pas. Oh. On vient de traverser, attendez, je vais me mettre dans ce sens, ça sera plus gai. On vient de traverser le désert, complètement, il y a que des petits cactus sur des kilomètres à la ronde. Il n'y a pas un bruit ici. Pour une fois, on n'entend pas la route, les voitures, ni rien, c'est magnifique. La maison a l'air juste trop belle. On arrive au coucher de soleil. Mais juste, on n'arrive pas à l'ouvrir pour l'instant, mais ça c'est un mini détail parce que je sais qu'on va y arriver à long. Olivia, ouais. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur?
Nous sommes rentrés. Mais comment t'as fait? Il y a une clé cachée. Ah, est-ce que c'est fabuleux? Non, c'est ouf. Holy shit. C'est quoi ce frigo légendaire? Oh, il est beau le frigo. C'est un frigidaire en plus. France représente. Enfin, je sais même pas si c'est français la marque. Oh la chambre. Donc on s'est bien installé ici, c'est vraiment trop trop bien, tout est cool, il y a une platine, ça c'est la meilleure idée qu'on peut avoir pour un Airbnb. Si vous voulez lancer votre petit commerce, mettez une platine avec quelques vinyles de qualité, ça change tout un voyage, ça met toute une ambiance, c'est trop trop agréable. N'est-ce pas Olivia? Ouais. Ça c'est super bonne idée. Je voulais te dire que on a passé deux nuits à Venice Beach et je vais absolument rien tourner, je ne fais pas de vlog sur Venice Beach, parce que, enfin si. En vrai, j'ai tourné des trucs, mais voilà ce que ça aurait donné si j'avais sorti un vlog que sur Venice Beach. Bon, me voilà à Venice Beach. C'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Sympa, mais pas ouf. Pas ouf. Donc j'en ferai pas une vidéo longue. Je fais juste ce mini bout. Histoire d'avoir un sentiment d'un travail accompli. Ciao. Voilà ce que j'ai sur Venice Beach. Vous en conviendrez, c'est pas énorme. Venice Beach c'est très cool, c'est très agréable, c'est le sable, c'est le skatepark, c'est le soleil, c'est les balades en vélo et tout. Mais à côté de ça, pas grand chose à vous montrer, donc voilà, on va s'en passer hein. Et bien les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. C'était un patchwork de pas mal de choses, on a vu la vie de Ravaillac et on a découvert Joshua Tree, la plus charmante des petites maisons qu'on puisse espérer trouver en plein désert, en Californie. Merci beaucoup.